science-fiction est une force évocatrice puissante. Pour certains, elle évoque de puissantes armées et des conflits galactiques. Pour d'autres, une chasse à l'homme effrénée aux confins de la galaxie. Mais elle peut aussi évoquer le quotidien, la vie d'un ferrailleur cherchant à rentabiliser sa journée. Et nous sommes aujourd'hui aux portes de ce rêve éveillé. L'arrivée du salvage, et plus précisément le décapage de structures, ouvre un tout nouveau pan de gameplay au sein de Star Citizen. La possibilité de trouver des épaves au sein d'un champ d'astéroïdes et la persistance permettant de tuer un pirate et récupérer son butin posent les fondations de ce que sera plus tard le salvage, une fois la récupération de composants possible. En attendant, ce gameplay qui peut sembler simple a plus à offrir qu'il n'y paraît. Commençons par la base, le multitool. Bien que vos options soient limitées, l'outil de décapage vous permettra de récupérer des matériaux de recyclage, ou RMC, sur la coque d'une épave et de les réutiliser pour réparer votre vaisseau. Ce gameplay de base pourra être relativement important si vous êtes loin d'une station et que vous avez des trous dans la coque. Mais il est aussi la porte d'entrée vers le métier de récupérateur. Vient ensuite l'étape suivante, avec le Vulture, le vaisseau de démarrage pour le salvage. Cette fois-ci, c'est un peu différent. Lorsque vous débuterez le décapage, vous aurez deux options. Utiliser les petits modules pour un meilleur rendement et plus de précision, ou les gros modules, moins précis, entraînant des pertes, mais couvrant une large zone de décapage. Si vous tombez sur un 890 ou un Hercule, cela peut s'avérer utile pour vite remplir votre soute. D'ailleurs, celle-ci est la deuxième étape de gestion du salvage. Bien qu'une fois la première caisse pleine, elle soit éjectée, lorsque la deuxième sera pleine, elle sera bloquée par la première. Vous devrez donc aller dans la soute et vous servir d'un multitool, Cargo Refactor, pour commencer à faire du rangement. Il est à noter qu'en attendant une meilleure solution, vous pourrez fabriquer un multitool et des modules depuis l'interface du compresseur du Vulture. Et lorsque vous aurez atteint 12 SCU de RMC, vous pourrez alors aller vendre tout cela à la ville la plus proche pour une très belle somme. Le Reclaimer, véritable machine à fantasmes, est l'étape suivante du salvage. Il représente aujourd'hui la première opportunité pour une activité multicrew. Équipé de deux rayons plus puissants que le Vulture, il a une capacité de décapage à toute épreuve. Mais vous aurez besoin de coéquipiers pour le faire fonctionner. En effet, pendant que deux personnes gèrent les rayons, il vous faudra un pilote pouvant ajuster la position du vaisseau. De plus, il vous faudra du personnel dans la soute pour récupérer les caisses de RMC et les placer dans la zone de stockage, qui possède, disons-le, une capacité de stockage confortable, rendant vos expéditions lucratives. Le Reclaimer a un autre avantage, grâce à ses tourelles de défense. Trois remotes et une manuelle sur le dessus, le rendant moins vulnérable aux attaques, et en fonction de vos capacités, pourquoi pas, une source de futures épaves à décaper. Le Reclaimer possède une autre capacité, mais qui n'est pas encore disponible et qui devrait arriver courant de l'année. C'est ce qu'on appelle le munching, littéralement grignotage, mais que l'on pourrait traduire par broyage. Cette capacité vous permettra de broyer les épaves en morceaux, ne laissant plus rien derrière vous. Le salvage n'a aujourd'hui pas encore la même profondeur que le minage, mais avec l'ajout des composants physiques, du munching et des relais, le salvage sera un gameplay complexe mêlant exploration, réparation, récupération et un large spectre de possibilités, allant d'un simple joueur avec un multitool à une équipe complète de récupérateurs en vaisseau. En attendant que toutes les fonctionnalités soient présentes, la persistance permet déjà de trouver des épaves et d'y aventurer pour trouver des objets potentiellement intéressants, ce qui rentre déjà par définition dans le cadre de la récupération, autrement dit, du salvage. J'aimerais remercier tout particulièrement Batou et Tiberius, sans qui cette vidéo n'existerait pas. Si vous l'avez aimé, pensez à vous abonner et à mettre un pouce vers le haut. Moi je vous dis à très bientôt et je vous fais un gros bisou des étoiles.